Salut les amis, Dimitrap Nomad de Nintendo Alert et on se retrouve aujourd'hui pour un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Donc là j'ai décidé d'avancer dans l'histoire principale, pourquoi? Parce que je pense vraiment que je suis loin d'avoir rush le jeu, hein, si vous avez regardé mes let's play précédents. J'ai fait beaucoup de quêtes, j'ai bien exploré, donc là il est un petit peu temps d'avancer. Je continue à regarder ce qu'il y a alentour, hein, vous savez très bien qu'il faut farmer. J'ai encore du mal en fait à monter mes gemmes, donc ce qui prouve que j'ai pas tant traîné que ça. Alors let's go. Toujours chapitre 6 hein, pour info. What's up? So you've got M's memories. Uni, why are we whispering? Roll with it. I do, yeah. Why though? So tell me stuff. Tell you what stuff? Stuff about the Queen and Mobius. Anything you got? But like what exactly? Like how the two are connected? Any secrets? Or where they are? Oi, no giving out exclusives. Lance? We want to know this stuff too, right? Well, I suppose. But still. Yeah. I trust Mimi. If it was important, I'm sure she'd tell us everything. And since she's not saying, there's a reason, right? Mm. If it's about the Queen, you shouldn't hear it from me. But rather from Her Majesty herself, I think. The Queen's bound to know things that M didn't. So that's it then? You're just gonna pass the buck? Well, I suppose so. Feels a bit stingy, that's all. Hey, no grumbling. I'm in the same leavenus as you, okay? All right, I'll yield. Might as well save my appetite for the main course. Bon, ça me fait un peu penser, évidemment, on a toujours des rêves hein, quand on a joué au précédent opus. Ça me fait penser quand ils étaient à Tantale et que Nia était collée à cette pauvre Pyra pour se réchauffer. Et également, lorsque je crois que c'est Tora qui cuisinait Pyra pour en savoir un petit peu plus, pour avoir un peu plus d'infos sur elle. Ok, un camp. Ça va être une quête, hein, ça, hein, forcément. Bon, ça va être une quête. Voilà. Bon, je vais quand même checker, mais... par exemple, faire le point... Ouais, j'ai rien qui peut être fait. Monter le niveau, je crois l'avoir fait... Ouais, elle a fait juste avant. Et après, la joie des gemmes. Hein. Il manque toujours des petites conneries. Hein. C'est ce dont je vous parlais. Hein. Comme par exemple, voilà, il manque une corne d'Ardon. C'est vraiment pas le truc le plus difficile à trouver. Par contre, farmer, là, par exemple, peau parfumée d'Aris, je sais où c'est. Par contre, Darbus, un os minéral de Darbus, je sais pas. Enfin, voilà. Là, voilà, ça, syropicéa. Je sais que c'est un truc qui se ramasse au sol. Mais voilà, je suis passée à côté quand... peut-être, voilà, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez, c'est comme ça. De toute façon, ça, c'est vraiment, je pense que... si je dois monter à 10, je pense pas que ce sera là. Ce sera en New Game Plus, hein. Bon, un combat entre deux mâles. Ah, ça me fait mal au cœur, vraiment, mais je sais que je vais en avoir besoin pour les gemmes.
faites attention. Ouais, comme toujours, moi je prends celui qui donne des doublons aux poumons. Hein. Faites ce que vous voulez. Ok. Va comprendre pourquoi j'ai dû prendre parti entre deux mâles qui se battent. Enfin, bref. Les doublons nos ponts en argent, je suis à 82. Je fais toujours attention à ça. Hein. Faites-le aussi. Parce que là, au-dessus de 99, c'est perdu. Je sais même pas si ça se revend automatiquement, ça, je crois pas. Qu'est-ce que c'est encore? Normalement, je devrais, voilà, si j'étais pas en let's play, j'irais tuer, voilà, pas des wolves, hein, mais sans tout, là j'irai en tuer parce que je sais que j'en avoir besoin. Et c'est ce qui pêche, hein, c'est que j'évite de vous imposer trop de farming, mais moi je vous conseille quand même de prendre le temps. Évidemment, il y en a qui vont miser sur le New Game Plus, mais comme vous le savez, il y a du matériel que vous trouverez pas avant le 4e, 5e, 6e chapitre. Donc, autant faire les choses bien. Ah, c'est tout bien. Là, j'en fais quelques-uns. Parce que comme vous avez pu voir, il m'en manquait pour les gemmes. Faire plus.
Alors, si on en croit Bam Bam, ça devrait être ici, non? Ouais, mais je n'ai rien du tout. Il y a peut-être voir quelque chose, mais simplement de faire. Anyway. J'étais me mettre. Oh, quel cruche. Enfin, que j'étais me mettre sur la quête secondaire. Vous voyez, même quand je suis de bonne volonté et que je dis que je vais avancer dans la quête principale, le jeu me prend en traître. Du coup, j'ai fait combien de... Ah ouais, quand même. Quand même. Bon. Je vais me TP plus près. Voilà. Je vais me remettre au camp. Là, je la ferai plus tard, cette quête. Ah, mais qu'est-ce qu'on voit là? Ne serait-ce point un unique? Mais si, je crois que c'est un unique. Donc qu'est-ce qu'on fait les amis quand on a un unique? On fait quoi? On le fait, on fait l'unique, c'est comme ça. Parce que déjà c'est un challenge. Et en plus ça donne des, nopons, des doublons nopons or. Et il est vraiment très beau hein. Alors c'est quoi? Chitin le boisé.
Donc, allez, c'est parti pour un enchaînement. Alors, chaîne héroïque, je vous dis, sauf que bon, quand il est choisi. Bon. En tout cas, c'est un excellent soigneur. Hein. Par contre, il aide pas trop pour atteindre les 150. Hein. Ça l'a pas réactivé là. Là, ça l'a réactivé. J'ai dû louper un truc parce que là... Il est soigneur, normalement les soigneurs ils sont capés à 99. Bon bah c'est une petite surprise du coup. Bon, on a battu, mais alors le maître, il est pas limité, il se capte pas quoi. Bon, bah soit, hein. C'est quelque chose à retenir. Hein. Pourtant les soigneurs sont capés donc. Ouais, on apprend tout le temps, hein. Hôtel de l'accueil. L'accueil de qui? Je ne sais pas. Glad I made this journey. There's nothing special here. Friends, sure we come to right place. We're good. You'll see. Je m'attends à tout et n'importe quoi depuis le chapitre 5. Hein. Alors, voilà, je vous dis, je m'attends à tout. Quel pouvoir est-ce qu'elle a, Mio? Ah. Cette musique me file la chair de poule. Is this real? That's the Cloud King. Whoa. Fantastic bit of tech. Amazing how they kept it hidden. Alors la reine endormie. Laquelle? Melia? Nia?
Right. Let's move. Not far now. Si vous saviez comme je suis excité à l'idée de découvrir tout ce qui va se passer. Et en même temps, je suis vraiment pas pressée que ça se finisse. Parce qu'il faudra attendre très longtemps avant le prochain opus. Même si je sais qu'avec le DLC, il y a de quoi patienter. Hein. C'est pas comme si j'allais le recommencer 8 ou 10 fois. Hein. Vous croyez que ça va être la belle au bois dormant et qu'elle attend un baiser? Je crois pas. J'essaie de... Moi, ça me fait quand même vachement penser à Tantal, hein, après... Va un peu la vue. Quoique. I don't know. Je sens bien le truc, on va tout révéler à la fin et tu vas avoir du mal à digérer quoi. Alors, est-ce que la reine est endormie dans cette espèce de sarcophage? Vous savez très bien, si vous y avez joué, à quel épisode, à quoi ça fait penser, hein. Bah, clairement, voilà, ça fait clairement penser à Pyra qui était dans son Senia. Oh là là, Senia. Qu'est-ce que j'aime Nia. Je pouvais pas jouer sans ma team avec Nia et Dromark. Impossible. Oh Nia. Qu'est-ce que... Quel est le... Ils sont pas sérieux là. J'hallucine. Le fils de sa maman. Là, sérieux, on peut se faire, s'il vous plaît, du Carpaccio de Mobius. Là, j'en peux plus. En plus, c'est ce petit con. Or did you think you're all that just because you managed to defeat N? Well, thanks to you, I got to end that aggravating old bat, fulfilling Zed's orders in the process. Looks like we got played. Yorin, are you seriously? Ah, tu nous soulages, Yorin. C'est bon, là, il est temps de le buter, hein. Oh.
Comment ça, ce machin là? Ils l'ont vraiment tué? Il y en a un, il ressemble au Joker, et l'autre à un Venom. Non mais arrêtez de discuter avec lui, putain. Trade your life for mine. You could have ignored me, got away safe. Well, gee, I have no idea. Let's see, there might be something in one of my memories. Maybe if I die instead of him, I'll please him. Perhaps that's what I was thinking. One of your memories. Since I couldn't do anything else right, you know? Must be nice to be you, Lance. Just being yourself. Nice to be me. You couldn't fathom how hard it is to be useless. You'd never understand unless you'd seen yourself in that light. Oh, Isabel, how about you try interlinking with me for a lark? I bet you'll cry at the state of me. Fun fact, you know, when you become Mobius, you're treated to all the memories of your past lives. I got to see all the different meets. Although they all pretty much met the same sad end. Deadweight will always be that. I am nothing but myself. Those were all just coincidences. We know different. That's right. We thought... No, I knew for sure that you were awesome. Whatever. Bet you were well and truly fed up with me. Though, back on that day, I still managed to surpass you. I can still be here. Feel this rush. Franchement, cette scène avec les pierres, là, ça me fait penser à Game of Thrones, à Cersei, quand elle... quand elle... cette fin de merde, pardon, de brasier... Bon allez hein, hop. T'as s'ils s'enfuient encore une fois, ça va me gaver hein. Et tant de se les faire là hein. Surtout s'ils ont tué Nia. Cette espèce de brasier de morveux. Je vais pas lancer l'enchaînement, hein, c'est pas la peine.
Quoique, tu me diras pour lui si. Allez. J'étais resté bloqué sur J, qui m'insupporte. Alors, ok. Alors lui, du coup, j'avoue que je sais pas trop comment le jouer. Vu qu'il est pas limité, il est pas limité au 99, il est pas capé, hein, ce que j'ai vu à l'enchaînement précédent. Donc, on va voir. Sera jamais. Oh putain. Pas super la réactivation. Ok, très bien. Parfait. Pas loin de l'annihilation, mais bon. On va se finir comme ça, c'est pas grave. Franchement, j'espère pas qu'ils vont s'enfuir là. C'est, je trouve ça assez frustrant qu'ils se barrent à chaque fois. Oh, on a perdu, on s'en va, on reviendra plus tard. C'est bon, c'est un épisode de Dragon Ball Z. Hein. Must be nice to be strong like you guys. And me, I was just a worm crawling in the dirt. But what I wanted was to fly. With every single new day, I looked up to admire the birds freewheeling above, but I was a worm. Yoren, cut the crap. The stuff you guys said was like if those birds went... But Mr. Worm, you do such great work tilling the soil. It's really important you keep at it for the sake of the world, you know? Do you see what I'm trying to say? And what's so wrong about that? I wanted my wings, you bastard! I thought if only I could earn your approval. Bastard, c'est pas fumier, hein. Traduction. But birds, what can they possibly know of how a lonely worm feels? Yoren! Just how could you possibly think like that?
You wanted approval, so you... How could I not? That's why I became Mobius. So I could be what I always aspired to be. What? This is you? It looks nothing like you. Yeah, but, like, that's what I want to end up like someday. Silly, huh? Liar! If you think you're satisfied being this way, you're lying to no one but yourself. I know you can't be at peace with this, so drop the act. And yeah, maybe to you we were like birds. Quitte à être égoïste, j'aimerais bien qu'on en finisse avec Johan pour savoir ce qui s'est passé avec Nia. Hein? Non, parce que là, ils prennent leur temps. Elle a quand même été poignardée, me semble. Hein? On that day, weren't you smiling? Oh yes, I sure was smiling, because it was the moment I rose above you! It was a grin of victory! No, it wasn't. On that day, you, that was the real you, our friend Yoren. Stop mocking me! Look, you'd made it, Yoren. You spread your true wings. Yoren. Your death, it changed me. Fighting isn't everything. I learned that if I chose, I could change myself, become anything. Yoren, I'm grateful as spark to you. Ain't you the same, Yoren? Maybe... If you had the choice too, in a world where nothing has to be like this. And that's exactly the kind of world we want to create. We want choices. Remember your Mobius. You should have other nice memories as well. You have to try and remember them, anything at all. De toute façon, ils peuvent pas avoir tué Nia. J'essaie de réfléchir en même temps là, pendant que c'est le moment émotion. Vu que Nia elle a son corps cristal, hein. Et j'ai pas vu qu'ils avaient transpercé son corps cristal, hein. Donc, elle peut pas être morte. Je me rassure, hein. Comme je peux. Je crois qu'on va être reparti dans un autre combat. An interlink? He's picking him over. Oh, he's a real piece of work. D, you scum. Ever had dreams? Dreams of dying, of being slaughtered. Most people forget as soon as they wake. No harm done. They're all completely true. And so snuffing what? What if they were? The past is past, and the present.
like the Run said, when you become Mobius, in that very moment, all your past memories come rushing back to you. Wolverine ou quoi? Ah ouais. Bon, c'était un connard, hein, même avant de devenir un Mobius. Psychopathe. To put it mildly, it's transcendent. Before coming here, I went to visit the Pharaonis, where I keep my collection. Collection, you say? Je me demande de quoi. Même pas surprise quand je dis un psychopathe, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, hein. Taré. Que l'histoire du brasier qui serait une censure, voyez, ça veut rien dire, hein. Il parle de salopard, hein. C'est juste une traduction foireuse, hein. Allez, let's go, j'en ai marre de ce Mobius et j'aimerais surtout voir Nia. Oui, c'est ça, ouais. Tu rêves.
Allez, on va l'enchaîner. Il est pas capé donc quand même fait de très gros dégâts. Hein. C'est pas l'enchaînement parfait, on va dire. Hein.
je lance pas l'enchaînement parce que ça c'est pas la peine. Ça prendrait plus de temps à l'enchaînement que de le finir comme ça à la main, si je puis dire. Mais il est quasi fini quoi. Donc. Voilà. Il est fini. J'espère qu'il n'y aura pas de troisième phase. Moi, je m'inquiète vraiment pour Nia. Qu'est-ce qu'il faut? Ça a bugué ou quoi? Time for a nice big breakfast. Ouais. Non. Je pense que là, il va vraiment se sacrifier une bonne fois pour toutes. You spread your true wings. So let me tell you, you're more than this. I can be more. Ça arrive souvent dans les Xenoblade Chronicles, hein. Espèce de faux méchant qui se révèle être un gentil, qui sauve un peu tout le monde. Ils ont gardé des très belles musiques de l'opus précédent. Nothing, idiot. Always putting others ahead of yourself, you moron. You should have just looked out for number one. But you were so scary, I didn't really feel like I had that option. I suppose. I'm sorry.
Euron. Maybe if we meet again, yeah, and next time we will win. Triste, évidemment. On n'aura pas eu la vie facile, hein, Euron. Sinon, personne s'inquiète pour Nia, toujours, hein. Par moi, je veux dire. La reine, oh oh, Nia. Yeah, sure was. I swear, he hadn't changed one bit. But this isn't okay. People shouldn't have to make such heartbreaking choices. Yeah, that's exactly why we gotta move forward. Yeah, well. Enfin, c'est bien de s'inquiéter maintenant. What do we do? The queen's, she's gone now. What do we do? What can we even do? This was supposed to be how we take back our world. Ils sont sérieux? I'm so sorry. Mais tu I peux. I knew I was half Mobius. I should have been more careful. But instead. Enfin, je comprends pas, ils ont pas eu son corps cristal. Enfin. Ah bon, c'est bien ce que je me disais. Bastard. Nia. Good he did. Two centuries to the side and things that have been a sight worse. Voyez bien qu'elle a le même corps cristal que Mio, hein. Ce que j'arrête pas de vous dire depuis le début. You must be... Impossible. I saw it. I saw her being stabbed directly through the heart. Oui, mais pas sur son corps cristal. But now... Now she's alive. Alive and kicking. Oui, c'est une mange chair. Nia, yeah. Oh... Qu'est-ce qu'elle m'avait manqué. Oh là là, c'est la musique qui va bien avec, hein. My name is Nia. Nia. And I am the queen of Agnes, one wing of Ionios. Où est Rex, où est Pyra, où est Mitra, où est Morag, où est Zik? Dis-nous tout. Oh. Alors là, c'est là que vous allez voir. Voulez-vous sauvegarder votre partie? Oui. Tadam. 97 heures. Voyez, ça c'est joué. Pas semblant nous. N and M. Another version of us. What are we really? Why do we exist in the first place? On note qu'on reste encore au chapitre 6. Hein. The answers are within me. Together with her hopes and dreams. I will give them a voice. I will make him hear our truth. Bon. Chargement, chargement, chargement. Allez. Quelle lenteur.
Qu'est-ce qu'elle est belle, Nia, vraiment. Ah! Ça fait un petit peu trop pour moi, là. Donc, Nia, Melia. Donc, on voit là l'intersection des mondes. It seems we might make it. Yes. It took every bit of our combined intellects, but we built it. To prepare for the time our two worlds collide. All that we are is contained within. Memories and our souls. We will all be gone and then reborn. Donc Melia, elle a encore été retravaillée hein, depuis la Definitive Edition. Time will run its due course and show us the true meaning of our deed. Ah, le passage dont je parlais et où on voit bien que Noah, il y a des adultes autour de lui, hein. La beauté de Melia est assez impressionnante. Elle est encore plus belle que dans la Definitive Edition, hein. In the distant past, what was once a single world was cleft in twain. C'est très symbolique. Ça fait penser. Ça fait penser à l'ovule qui se scinde. Knew nothing of each other as they wended their way towards their own respective futures. However, the worlds yearned for each other. Against the solitude of existence, they strove to reunite. Though it would spell certain destruction, should the two worlds intersect, they would cancel each other out and cease to be, leaving only light. Light, a shining beacon in the darkness, the last common language left to us. Though we inhabited separate worlds, the medium of light allowed us to communicate for the very first time. And so we sought for a way to prevent total oblivion. We pooled our knowledge and through time gave birth to a single point of hope. Origin. An ark containing all the world's data recorded in words of light, carrying hope into the future. Origin. Was a system we constructed to reboot the world's states. And then, time was upon us. The reboot process failed to initiate. Instead, in that instant, the worlds became still. By the will of Mobius. So it's their fault. And at the heart of it, was their ringleader, Zed. You could say Zed embodies this frozen world. Le troisième Aegis. Freezing everything. Not a thing. He didn't need to do anything after that. Only to keep everything in its place in stasis and create an eternity to abide within. As was their wish. Made our lives their sustenance. Precisely so. In order to gain control of Origin, Zed captured the Kavesi Queen. To what end? To access the memories in Origin, to bend them to his will. He needed a key held only by its creators. A key? A heart might be more fitting. Zed used the key held by the Queen of Kavesi. And seized Origin in its entirety. Controlling Origin means controlling the world. And having shackled it, he can bend it to his will. Life and death are his playthings.
life and death. No one, not even M, knew the origins of this world. So I guess you have another key. Yes, it's in my possession. With its help, I was able to create the Ouroboros stones. Though most of the power is withset, I have been able to resist him to a small extent. It's a cogwheel? One of the gears from Origin. Through a process of catalysis between the Origin substrate and the core in my chest, I can generate the stones. And thanks to that, we became Ouroboros. Yes, but not completely. Huh? Remember, have you not succumbed to Mobius's power before? As I've said before, Zed commands the world's very fabric. Unfortunately, my own powers are sorely limited. And yet, you too can break Zed's fetters, as you've shown, smashing through the rules he established. With your Ouroboros powers and the Sword of the End, both. The Sword of the End? The sword you hold. It is a byproduct of resonance between the Kaveti Queen's heart and Origin. Does that mean it's like an Ouroboros stone? The Ouroboros stones and the sword, they're mere gimmicks. The crux of them lies with you. You see, there are keys inside of you, too. Inside of us? Keys? Finally. My efforts were rewarded. I'm glad to meet with all of you who embody hope. Majesty, what is it that we must do? C'est trop bizarre de les entendre appeler Nia Majesté. C'est Nia quoi. And free it and the Kaveti Queen from Zed. From the hands of Mobius once and for all. If we do free it, will we get to change the world? It's so cruel and senseless. Can we undo that? Your Majesty, if you desire to have a future before you... I need to know. Zed and Mobius, must they be our enemy? Noah, now that is something for you to decide. After confronting them and discerning for yourselves what they truly are. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont? All right. Come this way. Je m'attends à voir de remarques surgir à n'importe quel instant. Il faut pas rêver. We got new folks on the map. Encore une fois, hein, énormément de révélations. Pas mal d'émotions, beaucoup de questions en ce qui me concerne. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis que oui, vous n'avez pas besoin d'avoir joué au 1 ou au 2 pour faire le 3. Mais là, si vous n'avez pas fait le 2, en l'occurrence, vous n'allez pas pouvoir ressentir ce qu'un joueur qui a fait le 2 peut ressentir quand il voit Nia. Donc j'insiste vraiment pour les nouveaux joueurs de Xenoblade Chronicles 3 qui voient que par Xenoblade Chronicles 3. C'est très bien parce qu'il est génial, hein, mais on peut pas... On ne peut pas en parler vraiment en tant que connaisseur si on n'a pas fait le 1 et le 2. Donc voilà, encore beaucoup d'émotions, beaucoup de révélations. Je vais faire un petit break parce que j'ai besoin. Là, il y a mon cerveau qui est en train de... Il analyse tout là. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.